Qu'est-ce qui fait chaud, hein? Salut les techniciens, c'est Hamslow, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui on va jouer tranquillement, on va se faire plaisir un petit peu, on va aller en match amical. C'est vrai que d'habitude quand je fais ce genre de vidéo en fait je vais en division et là actuellement je suis en division 2, je me suis fait reléguer mais bon c'est pas très grave. Du coup je vous montre l'équipe, c'est une équipe que je viens de créer pour tout simplement tester Vitinho et Stoïkov qu'on a donc packé évidemment récemment. Donc Stoïkov il a vraiment des stats plutôt pas mal, j'espère qu'il va montrer un petit peu toute son efficacité on va dire devant le but. Vitinho j'ai déjà joué un petit peu avec lui, j'ai joué 5 matchs, il m'a mis 3 buts, franchement c'est pas mal et ça me rappelle un petit peu sa carte en fait sur FIFA 15 et il était excellent. On a évidemment Alonso donc qu'on a packé, il est très très fort, je l'ai utilisé donc pour fut champion. Il est très très fort, hein. Il a vraiment une très très belle carte en plus et il est excellent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'y a pas l'image, la dynamique au lieu de sa tête normale de base, comme par exemple Fernandinho, mais c'est pas très très grave. Mais en tout cas, une belle équipe en 4-2-3-1. C'est vrai que cette formation, je l'utilise pas très très souvent. Après, évidemment, elle coûte un petit peu cher l'équipe, même si bon, la plupart, je les ai eu gratuitement, on va dire, hein, sans mettre de l'argent. Donc c'est assez cool et puis... Voilà, une petite équipe skill assez sympathique avec Matuidi, hein. Une équipe skill avec Matuidi quand même, hein. Attention, on blague même pas, c'est un nouveau concept. Non, je déconne. Eh, qui sait, on va peut-être marquer un but avec lui, hein. En tout cas, on va partir en match amical pour une fois. Et on va pas se prendre la tête, on va jouer tranquille, on va jouer fun, et puis c'est parti. Sincèrement, Butland, je sais pas du tout. 82 de général, hein. Ça c'est sûr, ça on le sait, c'est sa note. Il a 82 de général, 82. Enfin, la première mi-temps, c'est cool en fait, on domine, il a rien pu faire avec sa première ligue pour l'instant. Faut que je fasse attention hein, parce que avec les premières ligues, tu leur mets juste un centre s'il cadre avec sa tête ou... Comment il passe là? Get. Tema, il a failli marquer. C'est sa première occasion. Ok, d'accord. Bah écoute mec, merci. Bah écoute, j'ai pas compris le rush kit. Ouais, j'ai pas compris. Après, on est match simple en ligne, donc les matchs amicaux, les mecs en général, ils s'en foutent complètement. Mais bon, un match dominé, on passe au deuxième match, et pourquoi pas remettre encore une fois d'autres arcs-en-ciel aux gardiens adverses. Oh Vitinho, mec Vitinho il a la même frappe que sur FIFA 15, c'est n'importe quoi, tu l'as vu cette frappe ou pas? Transversale rentrante, je crois que le gardien il l'a touché d'ailleurs. C'est quoi, c'est... Eh, la vidéo, elle s'intitule pas Crossbar Challenge, les amis, là. Qu'est-ce que vous faites? Suck your blood.
FM. Sur la tête de moi, si je remets une transversale, cette vidéo, je l'appelle Crossbar Challenge sur FIFA. J'hallucine ce qu'il lui a mis au gardien. Il l'a pas dribblé. Il l'a sauté, mec. Il l'a sauté comme si tu sautais ta meuf. Eh mec, on saute toute son équipe. Ah, c'est n'importe. Par contre, il va falloir réussir le rituel là. Eh. Punaise, comme par hasard en plus, c'est la 69e minute de jeu. 69. N'importe quoi. Allez. Ah là là, et Matuidi qui marque un bull skill et Areola qui marque une Panenka. Mec, Areola, il va finir meilleur buteur de la vidéo, c'est quoi ce délire? Oh, dommage, je voulais marquer avec Stoïkov parce qu'il a pas marqué là dans ce deuxième match, même dans le premier d'ailleurs. On va se terminer là-dessus les mecs, vraiment un bon match. Je vais faire que deux matchs parce qu'il fait hyper chaud les mecs et il faut que je m'occupe aussi de up ton skill. J'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas. Moi personnellement je pense que je vais vendre Stoïkov parce qu'il me faut pas mal de crédit là. Je vais aussi normalement vendre Cristiano Ronaldo en premier détenteur. Vous avez vu, hein, pour ceux qui sont sur Xbox ou même sur PlayStation, hein, les prix sont très très hauts concernant les TOTS de Bundesliga. Dembélé et aussi Thiago sont trop chers, sont beaucoup, beaucoup trop chers. Je peux pas les acheter, du coup il va falloir que je fasse le ménage un petit peu dans mon club et il va falloir que je récupère des crédits. Matuidi, attention, hein, j'ai envie de revoir le but. Là, parce que concrètement, le but de Matuidi, il est ça, le petit ball roll pour esquiver et en plus il saute, mec, il saute. Et regarde la finition. Eh mec, il a jamais marqué un but comme ça de sa vie, t'imagines ou quoi? En tout cas les mecs, on va c'est cela, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos évidemment et surtout up ton skill demain normalement. Donc n'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous, c'est très important et on se dit à la prochaine. Ciao ciao les amis. Oh, this is how it starts.